Et je pense que tous les grands entrepreneurs ont échoué et continuent à échouer. Tant qu'on tente des choses, on continue à échouer. Assis sur une chaise, on risque pas de tomber. Dès lors qu'on se lève, on risque de trébucher, de se faire un peu mal. Et c'est le parcours de l'entrepreneur. Honnêtement, l'échec, il a une définition qui est négative, alors même qu'on devrait revoir cette définition et dire que l'échec, c'est une expérience positive qui permet d'avancer dans la vie. Donc moi, j'ai vécu un tas d'échecs. Tant que j'initierai des nouveaux projets, je risquerai de vivre des échecs, et tant mieux. Je pense que l'échec, c'est une formidable expérience qui nous fait grandir et qui nous fait, qui nous fait vivre ensuite nos expériences de façon différente. Mais il faut qu'en France, on arrête de pointer du doigt les gens qui ont échoué, parce que les gens qui ont échoué sont des gens qui ont essayé. Et c'est sûr que encore une fois, si on n'essaye pas, on ne risque pas d'échouer. Donc, beaucoup d'entrepreneurs refusent de se lancer dans l'aventure parce que, justement, ils ont peur d'être pointés du doigt en cas d'échec. Alors qu'ils y aillent, qu'ils tentent, parce que c'est la seule façon de vivre leur rêve.